La barbarie n'a aucune excuse ni justification. J'ai dérogé à ma règle qui était de ne plus ouvrir la télévision sur les médias et autres journaux télévisés. J'ai voulu savoir ce qui se disait sur la barbarie qui vient d'avoir eu lieu en Israël. Eh bien, je n'ai pas pu tenir cinq minutes. Même en zappant sur toutes les chaînes d'infos. Les questions des journalistes à leurs invités sont à la fois nulles et partisanes. C'est dramatique d'entendre des gens surpayés comme ceux-là qui osent parler ainsi. Je vous fais grâce ici de ces questions imbéciles posées par des ignares ou des propagandistes, ou les deux. Je comprends mieux. Pourquoi des personnes peuvent soutenir des barbares dans ces conditions, puisqu'on va aller faire passer ces barbares pour de pauvres gens, occupés à se défendre en allant massacrer des bébés, les couper en deux, décapiter, violer des femmes, exhiber des corps, ils ont été même jusqu'à mutilés torturer et finir à l'arme blanche une vieille dame de 90 ans ou brûlant vivre des familles dans leur maison. Et j'en passe parce que l'horreur n'a pas besoin d'être citée en exemple ici. Nos médias n'auront mis qu'une journée pour effacer le drame absolu qui s'est passé en Israël et reprendre la propagande habituelle avec les mots usuels, c'est-à-dire ⁇ riposte disproportionnée d'Israël, il faut appeler à la paix, etc. ⁇ Toutes les conneries, parce que ce sont des conneries face à l'horreur. Il est vrai que c'est facile, vu d'ailleurs, mais qu'en pensent toutes ces familles, juives ou non, qui ont eu leur vie foutue Pourtant, ce ne sont pas les témoignages qui manquent pour raconter cette nuit où l'horreur, la barbarie, euh, la criminalité, on ne trouve même plus de mots, a atteint un point de non-retour en ce 7 octobre 2023. Parce que là, il faut le dire, on a dépassé tout ce qui était euh, possible, on a été dans l'au-delà des mots, comme je dis dans l'article que je publie en même temps ce jour et que je vous conseille de lire d'ailleurs. Il faudra maintenant espérer pour des pays comme la France que cela n'arrive pas très bientôt. Pourtant, c'est prévisible. On a déjà eu, hein, rappelez vous, l'attaque sanglante et barbare du Bataclan, parlons de celle ci. Il avait été prévu d'attaquer aussi le Stade de France, qui était ce soir là rempli à rabord. Mais cette dernière attaque avait échoué, tenez vous bien, à cause du retard des terroristes des barbares, le stade ayant fermé ses portes, ils n'ont pas pu rentrer. Je pense que cela a sauvé des centaines ou des milliers de vies. Hein Quiconque connaît qu un stade sait très bien que dans un stade, on ne pourra pas s'échapper, pas se défendre. Mais on n'aura pas toujours cette chance. Il faudrait que les gens, aujourd'hui, se rendent compte qu'il ne s'agit pas seulement d'Israël, mais qu'il s'agit de toute notre société. Hein que on, a, on est face à des, 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 des chiens, on est face à des des, comment dire, des barbares hein, qui, eux, n'en ont rien à faire de la vie humaine des autres, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur religion. Hein. Tenez-vous bien, en Israël, là, dans ce, ce qui s'est passé, ils sont rentrés dans un foyer de Thaïlandais qu'ils ont éliminé euh, brutalement. Alors quel rapport avec une cause quelconque Il n'y en a plus, c'est fini. On est dans la barbarie à l'état pur, c'est tout ce qui compte. Alors comme je viens d'écrire, et je vous le répète dans mon article au-delà des mots, et je me cite, vos discours, vos bougies, vos allumages ici et là, vos minutes de silence, au vu de la tragédie, sont dérisoires, autant qu'inutiles voire insultant, sauf peut-être à vous donner une bonne conscience. Mais vous pourriez au moins avoir la décence de vous taire. On s'aperçoit que ce monde est coupé en deux. Il y a une partie dans ce monde qui soutient les barbares. Cette partie n'a pas à être soutenue par les autres qui se disent des démocraties. Alors quand on apprend qu'on verse des milliards de notre argent, l'argent des contribuables, à ces gens là-bas, euh, les islamistes, pour ce qu'ils ont fait maintenant et qu'on va continuer, que des voix s'élèvent pour dire il ne faut pas supprimer l'aide humanitaire. Mais ce n'est pas une aide humanitaire. Ça fait au moins 30 ans qu'on le sait. Hein C'était déjà publié dans certains journaux il y a des années et on va pas nous faire croire. Hein que cette aide humanitaire va vraiment à l'aide humanitaire alors qu'on sait très bien où elle va et ça c'est un autre problème encore si l'homme n'est plus capable de discerner les faits et peut accepter cette barbarie de nazi c'est que l'homme n'est plus humain car même si le par le passé on pouvait parler d'une cause quelconque palestinienne par exemple on ne peut plus aujourd'hui en parler quand les barbares ont coupé des bébés en deux le reste ne compte plus.